Avoir une carte de paiement en métal et gratuitement. Et pouvoir aussi investir dans des grosses entreprises, que ce soit par exemple Amazon, Tesla, Apple, Microsoft et bien plus. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une banque mobile qui se nomme Vivid et qui propose une carte de paiement en métal gratuitement. Et c'est vrai que ça fait assez plaisir d'avoir aujourd'hui une carte en métal carrément, parce que c'est normalement premium et ça coûte relativement cher. Et bien ici complètement gratuite et franchement d'ailleurs je la trouve super jolie en violette, avec une particularité aussi, c'est qu'on ne retrouve aucune information au dos de la carte. Donc si jamais tu te la fais voler, ils pourront uniquement utiliser le sans contact, mais ils n'auront pas accès aux données bancaires, que ce soit pour faire des grosses transactions par exemple sur des sites internet. Donc ça, il s'agit vraiment déjà d'un très bon point. C'est assez impressionnant parce que depuis leur application on retrouve un certain nombre d'avantages qu'on ne retrouve pas ailleurs. Par exemple ici on peut aller jusqu'à 25% de cashback, ce qui est juste énorme. Alors qu'est-ce que le cashback? C'est quand tu vas faire une dépense chez un commerçant et que, en fait, le cashback, c'est que tu vas pouvoir récupérer une certaine somme d'argent et bien de ton achat. Imaginons, tu vas faire des courses, 100 euros de courses chez Carrefour et que tu as 10% de cashback, tu vas donc récupérer sur ces 100 euros 10%, donc ici l'équivalent de 10 euros. Donc au final, tu vas pouvoir aussi faire des économies ici en utilisant cette carte-là, en utilisant aussi un peu leur réseau partenaire. Et à côté de ça, comme je t'ai dit, ils ont aussi quelque chose d'autre qui est assez intéressant, c'est-à-dire que tu vas pouvoir investir dans des actions, dans des sociétés. Alors en fait ce sont des fractions d'actions, c'est à dire qu'au lieu de payer une action complète qui peut être relativement coûteuse en fonction de la société, et bien ici tu vas pouvoir payer des fractions d'actions. Imaginons tu vas pouvoir acheter 0,01 action, en tout cas fraction d'action, pour la société Amazon ou bien pour Tesla. Tesla aujourd'hui je crois que c'est à peu près 600 $, quelque chose comme ça. Amazon je crois que c'est aux alentours de 3000. Donc au lieu que ce soit vraiment contraignant d'acheter tout de suite une action qui est vraiment un énorme investissement, ici en fait tu vas prendre une fraction d'action. Donc tu vas pouvoir commencer à investir même avec 5 euros, 3 euros, 10 euros. D'ailleurs vraiment moi ce que je te conseille c'est d'investir dans l'idéal un peu toutes les semaines. Même si c'est quelques euros, tu les investis. Ça va te permettre ce qu'on appelle dans l'investissement lisser tes points d'entrée. Donc éviter un petit peu toutes ces grosses variations qui peuvent arriver à tout moment, qui est très difficile de prédire quand on est débutant aussi comme moi ou intermédiaire. Et bien au moins tu vas vraiment avoir un système, un plan d'investissement aussi sur le long terme, et investir imaginons 10, 20, 30 euros par mois, et tu vas vraiment pouvoir, et c'est ce que j'aime beaucoup, choisir la société. On appelle fructifier ton épargne, c'est à dire qu'aujourd'hui quand on regarde le taux du livret A qui est de 0,5% par an à la banque, c'est pas très intéressant. Et en fonction de l'argent que tu as pu mettre de côté, bien entendu attention, ici c'est de l'investissement, tu vas pouvoir le placer et puis bien entendu avoir un rendement ou non, parce que l'investissement soit ça va être forcément tu vas gagner de l'argent ou bien tu vas en perdre. Voilà, soit si ça va être sur des tendances haussières ou bien baissières, c'est quelque chose d'important à bien noter. C'est à dire que moi à chaque fois comme je le dis, faut pas que ça impacte ta routine financière, ici ton investissement. Enfin bref, le lien de leur site internet et de leur application est dans la description de cette vidéo. Et puis c'est parti pour les caractéristiques. L'inscription est simple et rapide, puis tu peux le faire tranquillement depuis chez toi, c'est vraiment pas compliqué. Une application qui est forcément gratuite et qui se nomme Vivid et qui est disponible sous iOS et sous Android. Bien entendu, tu vas avoir accès à ton solde en temps réel, des notifications lorsque tu vas faire des achats. Tu vas pouvoir aussi accéder à la liste des transactions, personnaliser ton mot de passe, gérer tes dépenses, modifier bien entendu aussi le mot de passe de ta carte de paiement. Donc voilà, vraiment pas compliqué, tu peux la bloquer aussi à distance, enfin vraiment tu fais ce que tu veux. Tu peux aussi bénéficier gratuitement donc ici d'une carte métal et aussi d'une carte virtuelle. C'est quand même quelque chose d'assez important et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez cool. Tu as une carte virtuelle à côté que tu peux créer à tout moment, et tu peux même d'ailleurs l'utiliser lorsque tu crées ton compte Vivid à partir du moment forcément où tu as de l'argent dedans. Et bien tu vas pouvoir utiliser cette fameuse carte virtuelle. Et concernant la carte métal, ce que je t'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est qu'il n'y a pas de numéro, de date d'expiration et de CVV au dos de la carte de paiement. Et ça aussi, c'est un très bon point. Ce que je trouve cool aussi, c'est que tu vas pouvoir créer des pockets. Alors, des pockets, c'est des comptes, tout simplement. Ils appellent ça des pockets, que tu vas pouvoir nommer, renommer ou changer la photo de la pocket en question. C'est-à-dire que, en fait, et c'est ce que je trouve super bien, c'est que tu vas pouvoir associer ta carte de paiement et aussi ta carte virtuelle à une pocket en question. Et c'est là où je trouve qu'en fait, avec ici Vivid, c'est vraiment souple. Tu fais un peu comme tu veux.
veux. Imaginons, tu associes ta carte de paiement à une pocket en question et tu vas associer bah, forcément une autre pocket, donc un autre compte tout simplement, à tout simplement eh bien, une carte virtuelle. Voilà, et là au moins tu es tranquille et tu vas pouvoir vraiment gérer ça bah, comme tu le souhaites. Alors, il y a aussi une question au niveau des devises, c'est-à-dire que tu vas pouvoir choisir la devise en question. Par exemple, lorsque tu vas partir, imagine en Angleterre, bah, tu vas pouvoir prendre la devise de là-bas pour tout simplement éviter les frais. Il faut savoir qu'ici, Vivid propose à peu près 100 devises qui sont disponibles en fait depuis l'application. Donc tu vas pouvoir mettre par exemple du sterling, tu vas pouvoir par exemple passer en dollars si jamais tu souhaites partir aux États-Unis. Voilà, donc il y a vraiment aussi la possibilité d'éviter les frais. Ça c'est important, mais il est possible d'investir dans des entreprises sans commission, que ce soit pour les actions US et les FCB. Voilà, c'est une chose importante et il y a pas mal d'entreprises dans les actions US. Donc ici, bien entendu, on parle bah, forcément de fractions d'actions parce que bah, tu peux tout simplement investir à partir de 1 centime, 5 centimes, 10 centimes, enfin vraiment d'un montant très très faible. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. J'ai fait au début un petit transfert de 100 € en fait sur mon compte Vivid et sur mon compte Vivid, j'ai décidé d'investir à peu près, je crois de mémoire, c'était 80 € en actions, donc ici en fractions d'actions, que ce soit bah, 20 € dans l'entreprise Tesla, 20 € dans l'entreprise Amazon, 10 € dans l'entreprise Google, 10 € pour Apple, Facebook j'ai mis 10 €, Intel j'ai mis aussi 10 €, ce qui représentait à peu près 80 €. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que quelques jours après, en fait, je me suis retrouvé avec 82 € parce que forcément il y a des variations et moi j'ai eu une belle tendance haussière par la suite, ce qui m'a permis en fait de faire fructifier mon épargne et de gagner de l'argent tout simplement. Donc c'est vrai que ça c'est assez cool. Et concernant les actions, bah, on retrouve un peu plus de 1000 actions sur l'application et de FCB aussi. Donc ça aussi c'est vrai que c'est une bonne chose, bah, ça te permet vraiment de choisir les entreprises. Il y a même des entreprises françaises bien entendu, je crois de mémoire j'ai vu Renault, enfin voilà, t'en as pas mal. Et tu vas pouvoir en fonction bien entendu au niveau de tes valeurs, au niveau des entreprises bah, que tu aimes plus ou moins, bah, tu choisis et tu peux plus ou moins bah, investir et tu fais comme tu veux après par la suite. Après plusieurs recherches, en fait cette banque mobile elle est gérée par Solaris Bank qui est une banque européenne, c'est très important. Donc il s'agit ici en fait d'une banque allemande qui est réglementée, agréé, supervisé en fait si tu veux par l'autorité de surveillance allemande des services financiers. Enfin bref, on va tester tout ça. Donc la carte de paiement, on va faire un retrait dans un distributeur pour voir son bon fonctionnement parce que j'ai aussi personnalisé son mot de passe. Donc ça, ça va être assez cool. Et puis à côté, on va faire des petites courses, voire même des grosses courses, je pense que j'en ai besoin aujourd'hui. Donc on va en profiter aussi bah, pour utiliser le sans contact avec la carte Vivid. Bon et bien c'est parti pour faire un retrait au distributeur avec la carte Vivid. La faire rentrer à l'intérieur. Je vais taper le code que j'ai personnalisé. Alors là, on va cocher en français, choisir le montant. Donc, je vais retirer 20 € tout simplement. Donc là, le code. Et puis voilà. Je vais aussi recevoir une notification. Je retire la carte. Alors, j'ai pas demandé de ticket, il m'en a filé un. Et hop, j'ai les 20 €. Donc, tout est bon et j'ai reçu la notification. Alors ici, paiement sans contact avec la carte Vivid, lecture, et voilà, donc j'ai parti une partie en fait de mes courses ici avec la carte. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette banque mobile Vivid. Franchement, je suis vraiment impressionné. Bah déjà, premièrement par cette fameuse carte métal qui est d'ailleurs super jolie et qui est complètement gratuite. Donc ça, ça fait super plaisir bah, de retrouver quelque chose de complètement premium qui peut être assez coûteux chez certaines banques mobiles. Et bien ici, une carte carrément premium limite bah, gratuite en fait avec le côté métal et tout. C'est ça que ça fait plaisir. On retrouve aucune information d'eau. Ça, honnêtement, j'aime beaucoup. Quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs et je trouve qu'il se différencie sur ça et c'est vrai que ça fait plaisir. On peut bien entendu depuis l'application gérer, contrôler sa banque, en tout cas son compte, donc ici son pocket ou ses pockets, faire fructifier aussi son argent, son épargne. Alors attention, hein, faut vraiment que tu investisses de l'argent qui, comme je te dis, ne va pas impacter ta routine financière, mais toutes les semaines tu peux avoir un suivi. Et surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vas choisir l'entreprise où tu vas investir ton argent. Je veux du Netflix, je veux du Tesla, je veux du Amazon, je veux du Apple. Je vais choisir l'entreprise et je vais mettre le montant que je peux mettre. Je suis pas obligé de mettre une action complète. Je peux mettre une toute petite fraction d'action. Imaginons 1 €, 5 €, 10 €. Voilà. Et donc c'est vrai que ça aussi c'est une très bonne chose. Après à côté on va retrouver aussi du cashback. Donc ça aussi bah, forcément
ça fait plaisir. Et puis voilà, globalement, franchement, je suis assez content. On va avoir aussi toutes les notifications quand on va faire un retrait, comme on a pu le voir, quand on va faire un paiement. Donc quoi qu'il en soit, c'est très intéressant. En tout cas, le lien de leur site internet, comme je te l'ai dit, et de leur application est dans la description de cette vidéo. Et n'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Si tu as aussi peut-être Vivid et si tu en es content ou pas vraiment de m'expliquer tout ça, moi ça m'intéresse vraiment et puis je réponds aussi à tout le monde. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.